aujourd'hui, on va traiter les ensembles et la notion d'arithmétique. C'est la première partie. Dans cette première partie, on va parler de l'ensemble n et l'ensemble n étoile, les nombres pairs et les nombres impairs, les multiples et les diviseurs, et au dernier paragraphe, on va traiter les nombres premiers. Donc on commence. L'ensemble n. L'ensemble n. C'est quoi l'ensemble n? L'ensemble n, et l'ensemble du nombre entier naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet ensemble, dans l'ensemble n, on trouve les éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de virgule et il n'y a pas de nombre négatif. C'est ça l'ensemble n. L'ensemble n étoile, c'est le même ensemble mais à l'exception de 0. On écrit l'ensemble du nombre entier naturel mais non nul. Donc l'ensemble n étoile est l'ensemble du nombre entier naturel non nul. Ça veut dire tous ces éléments-là, mais à l'exception de 0. Donc on note n étoile de cette façon. 1, on commence par 1 parce qu'on a supprimé le 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc c'est ça la différence essentielle entre n étoile et n. Dans n étoile, il n'y a pas de 0. Dans n, il y a un 0. Donc on doit parler de symboles nouveaux. Le symbole appartient et le symbole n'appartient pas. Par exemple, si j'écris 0, 0 appartient à n. Ça veut dire quoi appartient à n? Ça veut dire 0 existe dans l'ensemble n. Mais 0 n'appartient pas à l'ensemble n étoile. Un élément qui appartient à un ensemble, par exemple 13, appartient à n. Et 13 appartient aussi à n étoile. Moins 7 n'appartient pas à n. Moins 7 n'appartient pas à n étoile. Donc, vous devez connaître les symboles appartient et n'appartient pas. On va passer au paragraphe suivant, le nombre pair et le nombre impair. Le nombre pair. Ça veut dire quoi les nombres pairs? On va donner une liste. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça suffit. Où sont les nombres pairs? 0, 2, 4, 6, 8 et 10. On remarque bien que ce sont des multiples de 2. Des multiples de 2. Donc, les nombres pairs, ce sont des multiples de 2. Il y a une manière de... Donc, comment j'écris un multiple de 2? Ça veut dire un nombre pair, ça s'écrit de cette manière. N, avec N, un nombre pair
N est égal du cas tel que K appartient à N. Regardez bien. N est égal du cas tel que appartient à N. C'est la manière générale d'écrire un nombre pair. N est égal du cas tel que K appartient à l'ensemble N. Si je prends K égal à 0, je trouve 2. Je trouve 0. Si je prends K est égal à 0. Si je prends K est égal à 1, 2 fois 1, je trouve 2. Si je prends K est égal à 2, 2 fois 2, je trouve 4. Si je prends K est égal à 3, 2 fois 3, je trouve 6, ainsi de suite. Vous voyez bien que les nombres pairs, ils sont des multiples mudha'afat, des multiples de 2. Donc, parfois, on a un nombre, par exemple, 353, 168, 201, 1033, 530. Comment je connais le nombre pair et le nombre impair ici? Le chiffre d'unité ici est 8. Donc c'est un nombre pair. Le chiffre d'unité ici c'est 0. Donc c'est un nombre pair. Un autre exemple, 68. Un nombre pair. 34. Donc c'est un nombre pair. Donc on passe au nombre impair. Donc les nombres impairs. J'avais la liste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai noté les éléments pairs. 0, 2, 4, 6, 8 et 10. Ce sont les nombres impairs dans les nombres pairs dans cette liste. Les autres, ce sont les nombres impairs. 1, 3, 5, 7, 9. Donc, comment noter un nombre impair? On remarque qu'après un nombre pair, il y a toujours un nombre impair. Donc, un nombre pair, ça s'écrit comment? Ça s'écrit deux cas. Si je veux trouver le suivant, j'ajoute 1. Ça, c'est un nombre pair. Ils sont notre deux cas. Avec K appartient à N. Donc, si je veux trouver l'impair, j'ajoute 1. Et ainsi de suite. Donc, N est un nombre pair, impair. N est un nombre impair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire N est égal 2K plus 1. Où K appartient à N. Donc, en bref, il y a deux propriétés principales. N est pair. Ça veut dire N est égal à K tel que K appartient à l'ensemble N. N est un pair. Ça veut dire N est égal à 2K plus 1 tel que K appartient à N. Il faut noter que N est un entier naturel. N est un entier naturel. Voilà, c'est assez simple, très simple. Un nombre pair, ça s'écrit N est égal à 2K. Un nombre impair, ça s'écrit N est égal à 2K plus 1. On va passer aux multiples et diviseurs. Donc, d'abord, on va passer à une application. Petite application. Application numéro 1. Donc, soit N appartient à N.
ça veut dire n est un entier naturel. Déterminez le nombre pair et le nombre impair parmi les nombres suivants. Déterminez. Les nombres pairs et les nombres impairs parmi la liste suivante ou parmi les nombres suivants. Donc, là, on a A est égal à 4n plus 5. B, si n plus 6, c, 2n plus 1, tout ça à la puissance 2, plus 2n plus 1. Donc on a ici trois nombres A, B et C. On va déterminer les nombres pairs et les nombres impairs dans ces chiffres ou ces nombres. D'abord, on commence par A. A est égal à 4n plus 5. Donc, si je vais essayer de factoriser par 2, je dois écrire 5 sous la forme 6 ou 4 plus 1. Donc, est égal à 4n. A est égal à 4n plus 4 plus 1. Tout simplement, j'ai écrit 5 sous la forme 4 plus 1. Donc, je vais factoriser cette partie par 2, tout simplement. Cette partie, 2, donc 2n plus 2. Et 1, ici. Donc, je vais mettre, posons, k' est égal à 2n plus 2. Il est clair que K' appartient à l'ensemble N, puisque N appartient à N. Donc N fois 2 appartient à N, plus 2 appartient à N. Donc on a A est égal à quoi? 2 fois, ça c'est quoi? C'est K' plus 1, avec où K' appartient à N. Donc c'est quoi? A est un nombre impair. Parce que c'est ça les critères d'un nombre impair. Donc A est un nombre impair. J'espère que c'est tout à fait clair. Passons à B. B est égal à 6n plus 6. Il est facile de remarquer que je peux factoriser par 2. 2, et si c'est 3n, plus quoi, plus 3. On pose, posons, k1 est égal à 3n, plus 3. Il est clair que k1 appartient à n, puisque n appartient à n. Donc on va trouver b est égal à 2 fois k1. 2 fois K1, où K1 appartient à l'ensemble N. Et par suite, B est pair. Ce qui implique B est pair. Le dernier exemple, c'est C. Donc C est égal 2n plus 1, tout ça à la puissance 2, plus 2n plus 1. Ça, c'est une identité remarquable. Vous avez vu le montant d'habitat, les identités remarquables. Donc,
L'identité remarquable x plus y à la puissance 2 est égal à x à la puissance 2 plus 2 fois x fois y plus y à la puissance 2. De cette manière, on a 4n carré plus 4n plus 2 et plus 2n plus 1. Donc, 4n carré. 4n plus 2n, ça veut dire cn. 2 plus 1 est égal à 3. Et par suite, je peux écrire 3 sous la forme de quoi? 4n carré plus cn, 3 sous la forme de 2 plus 1. Et factoriser cette partie par 2. Donc 2 fois, il reste quoi ici? 2n au carré plus 3n plus 1. Et 1 à l'extérieur. Donc on pose, posons K2 est égal 2n carré plus 3n plus 1. On trouve que C, ça s'écrit sous la forme 2 fois K2 plus 1 avec où K2 appartient à l'ensemble N. C'est le critère d'un nombre impair, ce qui implique C est impair. C'est une petite application. Donc, on va passer aux multiples et diviseurs. Les multiples en arabe, comme on va avoir les diviseurs al-qawasim. Donc, ce chapitre, alors, cette partie, les al-muda'afat ou al-qawasim. Donc, on parle. Multiple et diviseur. Je vais prendre soit A, B et C, 3 entiers naturels. Avec D non nul. Ça veut dire D différent de 0. La première propriété. A est un multiple de B. Signifie que A est égal K fois B tel que K appartient à l'ensemble N. Donc A est un multiple de B signifie que A est égal K fois B et K est égal à N. Yani, qui vous dit qu'il a A moda à fil à B, à A, fois B, K est égal à N. Donc c'est notre première propriété. Remarque très très importante remarque. A est un multiple commun l'arabia mudaaf mushtarak, multiple commun de B et D, ça signifie que entre parenthèses A est un multiple de B est un multiple de B et A est un multiple de D. باش يكون مضاعف مشترك ديال B و D خص يكون مضاعف ديال B و خص يكون مضاعف ديال D. J'espère que c'est clair. Donc cette remarque est très importante. On aura besoin.
notre deuxième propriété. Je vais écrire D. D est un diviseur. De A signifie que A est égal à K fois D. Toujours avec K appartient à M. يعني إذا كان D قاسم لA فإن ذلك يعني أن A يساوي K fois D. Remarque, de la même manière, D est un, D est un diviseur commun. D est un diviseur commun de A et B signifie que D est un diviseur de B et D est un diviseur de A. Vous allez bien voir que ces remarques sont très importantes, on aura besoin. Donc, on va passer à une application, une petite application, il n'y a rien à ajouter. Donc, application numéro 2. Donc, première question, montrer que la somme de deux entiers naturels impairs consécutifs, il y a une mutatabia est un multiple de 4. On va d'abord répondre à cette question. Après, il y aura une deuxième question. Donc, notez bien. Toutes les questions de ce type, si ton prof te demande de montrer qu'un nombre quelconque est un multiple de 4 ou de 5 ou de 8 ou de 9 ou de 100, je ne sais pas, il s'agit par exemple montrer que A est un multiple de 4. Ça signifie tout simplement que A s'écrit sous la forme 4 fois K ou K appartient à N. A est un multiple, par exemple, de 5. Ça veut dire que A est égal 5 fois K, toujours où K appartient à N. Par exemple, A est un multiple de 100. Ça veut dire que A est égal K fois 100, ça veut dire 100 K, toujours où K appartient à N. Donc c'est ça, quand je te dis montrer que A est un multiple de 9 par exemple, est un multiple de 9. Il s'agit de montrer que A est égal 9 fois K, où K appartient à l'ensemble N. C'est la méthode. Donc, ici, on va essayer de montrer que deux entiers naturels impairs consécutifs est un multiple de 4. Maintenant, deux entiers naturels impairs consécutifs. Donc, entier, yani, sahih tabi'i, sahih tabi'i, fardi. Wa mutatabi'i, yani, juste l'adat sahih fardi, mutatabi'a, consécutif, mutatabi'a, est un multiple de 4. Donc, soit 2k plus 1, le premier nombre impair. Celui qui suit, il aura comme valeur 2k plus 3. C'est bien logique. Hein? Est-ce que vous avez compris? Donc, la somme. Ça veut dire 2k plus 1
plus 2k plus 3, donc est égal 2k plus 1 plus 2k plus 3. 2k plus 2k ça veut dire 4k, 1 plus 3 ça veut dire 4, factorisé par 4, k factoriel, 4 factoriel, k plus 1, posons ta prime, est égal k plus 1, ce qui implique, on va trouver 4 fois k prime, où k prime appartient à n. Et par suite, la somme des deux nombres entiers impairs consécutifs est un multiple de 4. C'est un exemple très très simple. Donc, passons à la question 2 et la dernière dans cette application. Donc, montrer que la somme de 5 entiers naturels, de 5 entiers naturels consécutifs est un multiple de 5 cette fois. Donc, un entier, ça veut dire n. Celui qui suit n plus 1, au suivant n plus 2, après n plus 3, 1, 2, 3, 4, le dernier n plus 4. Ça y est. Ce sont 5 nombres entiers consécutifs. Leur somme. Donc, toujours avec n appartient à n. C'est obligé. Donc, on a n plus n plus 1, plus n plus 2, plus n plus 3, plus n plus 4. Combien de fois on a n ici? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc 5 n. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10. Donc 5 n plus 10, factorisé par 5, donc n plus 2. Donc, on met tout simplement k est égal à n plus 2. Ça donne 5k avec k appartient à n. Donc, et par suite, c'est un multiple de 5. Et la conclusion, donc conclusion, la somme de 5 entiers naturels consécutifs est un multiple de 5. La dernière partie dans ce cours d'aujourd'hui est le nombre premier. Donc, d'abord, c'est quoi un nombre premier? Les nombres premiers, بالعربية الأعداد الأولية. Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs. Je vais noter la propriété. Soit P appartient à N. P est un nombre premier. Signifie que P a exactement deux diviseurs. Diviseurs à savoir 1 et P. Il y a un nombre qui est un juge de la le nombre ou par exemple. Exemple. 2 est un nombre premier. Parce qu'il admet comme diviseur le nombre 1 et 2. 3 aussi est un nombre premier. Parce qu'il admet
comme diviseur le nombre 1 et le nombre 3. 5 est un nombre premier parce qu'il admet comme diviseur le nombre 1 et le nombre 5. 7 est un nombre premier parce qu'il admet comme diviseur le nombre 1 et le nombre 7. Mais 1 n'est pas un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier tout simplement parce qu'il n'admet qu'un seul diviseur qui est le 1. N'est pas un nombre premier parce qu'il admet qu'un seul diviseur qui est le 1. Bon, je vais donner une liste des nombres premiers, mais attention, ils sont infinis, je vais donner 10 ou 20 les premiers. Une liste du nombre premier. Donc le premier ici 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 43, 44, 45, 47. 49, non, 50, 51, 53, et ainsi de suite, la liste ne s'arrête pas, elle est infinie. Tout ça, ce sont du nombre premier. Remarque très importante pour terminer cette partie. Remarque. A et B sont premiers entre eux. Je n'ai pas promis entre eux, Awalian et Fima Benahoma. Si leur seul commun diviseur est 1, qui est le nombre 1, on a rappelé l'arabia. A ou B, qui sont les premiers فيما بينهما إلى عندهم واحد القاسم مشترك وحيد اللي هو واحد مثلا par exemple 4 et 7 ils sont premiers entre eux, mais si je donne par exemple 3 et 2, ils ne sont pas premier entre eux. Donc, je vais répéter, A et B sont premiers entre eux si leur seul commun diviseur est le nombre 1. Par exemple, 4 et 7, 3 et 8, 9 et 10. Ce sont des nombres premiers entre eux. Mais 3 et 12, ils ne sont pas premiers entre eux parce que 12 admet comme diviseur 3 et 3 admet comme diviseur le 3 plus également le nombre 1. Donc ils n'ont pas un diviseur. Donc c'est toute la première partie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.